Merci. Bon, on a un autre invité de marque avec qui j'ai eu la chance de travailler beaucoup, beaucoup sur notre disque. C'est Vincent Segal. D'être entouré comme ça, je suis... ah, c'est parfait. Vous êtes bon? C'est bon? Il m'a demandé si je voulais bien l'épouser. J'ai dit oui, tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de se marrer. Il m'a regardé, ses yeux sont devenus foncés. C'est que les choses sérieuses a-t-il dit allaient commencer. Il m'a emmené près de la rue des Hauts Pavés, dans ce petit magasin de photos diverses et variées. On a regardé ces couples de jeunes mariés, prenant intelligemment déposé des airs détachés. L'embarras du choix pour s'inspirer de l'un d'eux et immortaliser la joie qui nous transperçait, qui nous rendait joliment gays, si heureux, si plein de bonheur à venir que j'en baillais. Ma chérie, tu vois la fille au fond sous les lilas, en Amazon avec le bras désinvolte, on dirait toi. Oui, c'est un peu vrai, mais je lui trouve le regard niais. Et c'est à ça que je pensais quand j'ai dit qu'elle te ressemblait. Ah ouais. Allez, jeune épouse en crampons serre un ballon contre son cœur. C'est l'amour du sport, le foot est plus fort que la mort. Les serments dans les gradins, allez le stade et je t'adore. Et là, quelle erreur, la mariée, elle a peur. Mais non, c'est tout naturel puisqu'elle est femme de chasseur. Un gibier encore si frais qu'on dirait qu'il dort. Jeté par-dessus l'épaule de l'époux. Voilà le décor. Allez. Très fantaisiste. Mais qu'en serait-il s'il était chumeau ou véliplanchiste? Et là, celui-ci, sous ses médailles et son képi, qu'il est attirant, qu'il est beau, et comme il me fait envie. Pour clore la liste, regarde-moi cet air triste de la fille qui regrette, mais qui va entrer en piste. Thank you.